aux portes d'Uzès, dans la garrigue, apparaissent les vestiges d'un ancien aqueduc romain. Construit au 1er siècle de notre ère pour acheminer de l'eau jusqu'à Nîmes, ce canal se déployait sur près de 50 km. La pièce maîtresse de cet aqueduc, c'est le pont du Gard. Depuis 2000 ans, il résiste à la puissance dévastatrice des crues du Gardon. C'est un exemple du génie des architectes romains. Pour moi, il est parfaitement intégré. Il est dans un état de conservation exceptionnel. Il est extrêmement attachant, parce qu'on voit bien que c'est une fonction technique. Toutes les pierres plus longues qui dépassent pour accrocher les échafaudages n'ont pas été découpées après. Donc c'était pas un ouvrage destiné à être présenté ni visité. Il avait cette fonction technique et il est resté comme ça pour pouvoir assurer la maintenance, faire des reprises de maçonnerie, etc. Les blocs sont empilés, poussés, et il n'y a aucun joint, aucun mortier qui assure la colle entre les différents blocs. C'est posé à sec. C'est un ouvrage qui est une déclinaison de l'arcade. Alors, l'arcade, c'est en quelque sorte le standard de l'architecture romaine. Vous prenez une arcade, vous l'alignez, ça forme un aqueduc. Vous prenez les mêmes arcades et vous la mettez sur un demi-cercle, ça fait un théâtre. Et puis vous les mettez sur un plan elliptique et ça fait un amphithéâtre. D'autres civilisations avaient sans doute, comme les Grecs, avaient les compétences, mais seuls les Romains ont su mettre au service de ces compétences une organisation quasi militaire qui a permis de construire ce pont dans un site aussi formidable que les gorges du Gardon. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des pierres plus longues, des boutiques? Cet après-midi, le conservateur va voir le pont comme il ne l'a jamais vu. Donc là, on est sur la zone, avec la possibilité de zoomer et d'avoir tous les détails. L'ouvrage vient en effet d'être entièrement scanné, avec une précision inférieure à 5 mm. On attendait ces images avec beaucoup d'impatience. Chaque détail, chaque marque gravée dans la pierre apparaissent. C'est une grande première. Je découvre des éléments et des parties maçonnées que je ne connaissais pas du tout parce qu'elles sont inaccessibles. Ça constitue quelque sorte un état zéro extrêmement précis de l'aqueduc tel qu'il est aujourd'hui. Et ça va nous servir à mesurer à la fois l'impact de soit l'environnement, soit des flux touristiques sur le bâtiment. Et puis d'étudier aussi les déformations éventuelles. Et donc ça, c'est un outil indispensable aujourd'hui pour le conservateur.